Bonjour. D'aucuns m'ont demandé comment je vidais mes chaudières. En effet, on peut imaginer qu'avec un tube traversant cette chaudière, je n'arrive pas au fond de la dite. Eh bien, c'est très simple. Je prends un petit tuyau de silicone qui va descendre tout seul jusqu'au fond de la chaudière. Et je vais faire ce qu'on appelle l'effet siphon. Je vais donc aspirer. Alors là, vous n'allez pas me voir aspirer, mais vous le savez, vous allez le voir peut-être par le niveau. Regardez. Hop. Donc l'eau, maintenant, est descendue jusqu'à sous la chaudière. Automatiquement, quand je vais libérer. J'ai pas assez aspiré, alors je respire un peu plus. Voilà. Et ben j'ai l'effet. Voilà, ça va couler. Et donc, si je le mets dans un récipient un peu plus bas, voilà, je vide ma chaudière. Donc c'est vraiment tout simple, hein? Un tuyau suffisamment long pour pouvoir aller à l'extérieur de la table et si possible bien visé pour récupérer l'eau. Bon, moi, si vous êtes dans l'herbe, il n'y a pas de drame, hein. En tout cas, vous voyez, l'effet siphon va totalement vider cette chaudière puisque le niveau bas de mon tuyau est plus bas que le bas, c'est le cas de le dire, de la chaudière. Voilà, donc je vais vider tranquillement cette chaudière pour faire quelques ajustements parce que j'ai encore des petits problèmes de fuite de niveau. Au revoir, les amis.